faites pas attention au frère Hérode. Hérode ne travaille que pour ses intérêts. Tout ce qui compte pour lui, c'est son gain. Qu'est-ce qu'il aura comme avantage, comme position, comme gain, comme argent? C'est ça le frère Hérode. Et on a beaucoup de frères Hérode dans le message. Mais à restauration tabernacle, nous ne voulons pas de frères Hérode. Nous voulons des frères mages. Des frères mages qui suivent l'étoile et suivant seulement l'étoile. Pour cette opportunité qui nous est accordée d'être réunis de nouveau autour de la parole de Dieu. Puisse ta grâce pardonner nos péchés et au travers de la parole encore maintenant que nous puissions vraiment être rapprochés de toi. Toi qui as prédestiné les sémences à la vie éternelle, fais, Seigneur, que alors que ta parole est répandue en cet endroit, tous ceux que tu as destinés à la vie éternelle viennent. Nous croyons que tu es déjà en train de le faire et que tu vas encore le faire ce soir. Que ta parole soit bénie dans nos âmes. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, et nous allons lire juste les deux premiers versets. C'est-à-dire le verset. Puis Kitini. Les versets 1 et 2. Kitini et Antete. Alors nous lisons le Seigneur. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. Et ce soir, avec l'aide du Seigneur, nous voulons commencer un autre petit enseignement. Après le but de l'appel que nous avons étudié, ce soir nous allons étudier sur ces deux versets que nous venons de lire. Et notre étude tournera autour de ce chapitre 2 du livre de Matthieu. Et nous intitulons cela les mages, l'étoile et le roi des Juifs. Les mages, l'étoile et le roi des Juifs. Et comme d'habitude, nous allons aller calmement pour nous permettre de saisir les choses une à une, pas à pas. Donc inutile de les prendre ensemble. On va donc essayer de le prendre partie par partie, cet enseignement, pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension. Les mages, l'étoile et le roi des Juifs. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler sur les mages d'Orient. J'ai toujours aimé ce passage du livre de Matthieu. C'est l'un des passages vraiment merveilleux de ce livre. Et Frère Branham avait toujours coutume de prêcher un message à l'occasion de Noël. Et il était déjà arrivé à Frère Branham une fois de prendre ce message, ce passage pour l'enseigner à l'occasion d'une fête de Noël. Nous ne sommes pas à l'occasion d'une fête de Noël, mais ça reste la parole de Dieu et il y a des choses très profondes que nous pouvons tirer de cet enseignement. Alors pour commencer, mes frères et mes sœurs, les mages étaient des astronomes. Donc des gens qui étudiaient les astres, c'est-à-dire les corps célestes. Ce sont donc ces gens de personnes-là qui avaient voué toute leur vie à l'étude de ces corps célestes et qui étaient très appliqués à cette science que nous retrouvons ici. Donc, ils étaient des gens qui étudiaient les astres, leur position dans le ciel, la signification de ces différentes positions que ces astres prenaient. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que cela pouvait avoir comme incidence sur la vie des hommes sur la terre? Il faisait donc en fait plusieurs types d'astronomie. À ne pas confondre avec l'astrologie. Donc par exemple, quand ils étudiaient la position des étoiles dans le ciel, là ils faisaient de l'astronomie géométrique pour voir comment les étoiles étaient disposées et quels étaient leurs différents mouvements dans les cieux. Ces mages-là n'étaient pas que des gens qui faisaient de la l'astronomie géométrique, mais parmi eux il y en avait aussi qui faisaient de l'astronomie physique et etc. de l'astronomie mécanique et tout le reste. Même si la diversification est venue un peu plus tard, mais en ce temps-là, on les appelait tout simplement des mages. Donc des gens qui étudiaient les corps célestes et qui donc à partir de ces corps célestes tiraient des pronostics des choses qui se passaient sur la terre ou qui devaient se passer sur la terre ou qui devaient arriver sur la terre. On les appelait donc des mages. Certains ont dit
que comme la Bible dit qu'ils étaient appelés des mages, donc ils étaient des magiciens. Non, pas exactement. Pas exactement. On ne doit pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Je dis bien qu'ils étaient des mages, c'est-à-dire des observateurs d'étoiles. Ils faisaient de l'astronomie. Ils étudiaient les astres dans les cieux et tiraient des pronostics à partir de ces astres-là. Ce qui est différent de la magie, qui consiste à produire des tours, à produire des phénomènes, mais par le biais des puissances occultes, par l'intermédiaire des puissances sataniques, par l'intermédiaire des puissances démoniaques. Ça n'a rien à voir avec l'astronomie, qui est une science. Ça n'a rien à voir avec ceux qui font de la magie. Et dans ce message, nous sommes contre la magie. Les serviteurs de Dieu authentiques ne pratiquent pas de la magie. Et les fils de Dieu sérieux ne pratiquent pas de la magie. Et une église de Dieu sérieuse ne s'appuie pas sur la magie. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle seule fait le travail dans l'église. Non pas la magie. C'est pourquoi d'ailleurs, les chrétiens nés de nouveau, mais n'ont pas de totems avec eux. Ils n'ont pas de fétiches avec eux. S'il y a quelqu'un qui veut aller au ciel, mais qui hier était pratiquant de telles choses, il doit commencer par s'en séparer avant qu'il ne soit accepté par Dieu. Et si vous devez vous en séparer, vous ne devez pas le faire par vous-même. Vous devez voir le serviteur de Dieu et lui dire ce que vous faisiez hier. Ensuite, il vous aidera en détruisant ces choses devant vous. Je dis bien devant vous. Et ensuite, il prie pour vous. Il ne doit pas prendre ces choses, amener avec lui pour dire non, j'irai les détruire chez moi. Non, c'est un mauvais esprit. Ça peut cacher des manèges qui consistent à récupérer ces choses pour les utiliser autrement. Il doit les détruire devant vous. Il prie pour vous. Il rompt les liens avec ses esprits et il brûle ces choses au nom de Jésus devant vous. Vous voyez ces choses brûler et vous savez que c'est détruit. On ne doit pas les amener, aller les brûler en cachette. Ça, c'est des mauvaises pratiques. Nous n'acceptons pas cela. Et si je reviens, les mages étaient des astronomes. C'étaient des hommes de science. C'étaient des personnes qui étaient en train d'étudier les étoiles, mais ce n'étaient pas des magiciens comme on l'entend si souvent. Ce sont des choses que l'on dit à tort. Je répète, c'était des astronomes, c'était des hommes de science. Voyez-vous, mais attention, ils n'étaient pas non plus des astrologues, parce que l'astronomie n'est pas de l'astrologie. Astronomie, ce n'est pas cela. L'astrologie qui consiste à étudier les astres en rapport avec la vie des êtres humains sur la terre et attirer donc les influences que cela a avec leurs signes zodiacaux et des choses de ce genre. Non, il ne s'agit pas de cela. Ici, ils étudiaient juste les astres d'un point de vue purement scientifique. Alors, à cette époque-là, ces mages d'Orient étaient donc en Orient. Ils étaient en Inde en particulier. Suivez-moi très bien. C'était des mahométans.
C'était des Indiens. Yavana bisi India. Ces astrologues-là. Bah astrologues. Ces astronomes plutôt dont bah, on parle ici. Bah astronomes yavana zodira awa. Ils étaient donc. Bah vandaka. En Inde. Na yisi ya Inde. Et pour parfaire leurs études. Na ku salamote du salaba qui salaba. En astronomie. Na astronomie. Ils allèrent donc à Babylone. Bah ukwenda ka na Babylone. Parce que à Babylone il y avait une tour. Qui avait été érigé un observatoire très puissant et que les autres pays n'avaient pas et que les Babyloniens étaient donc plus avancés dans cette science, ce qui va donc pousser ces Mahométans indiens à quitter leur pays pour se rendre en Babylonie afin d'aller étudier ces astres-là et profiter de l'observatoire qui était installé dans la ville de Babylone. Alors ils entreprirent le voyage et quittèrent l'Inde pour se rendre en Babylonie. Et quand ils y arrivèrent, ils se mirent donc à étudier les étoiles, à étudier les astres. À cette époque-là, dans le passé, bien sûr, avant même qu'eux n'arrivent, il y avait des gens qui étudiaient ces astres avant eux. Parmi lesquels, il y avait un certain Daniel. Daniel qui était à Babylone, na Babylone quand on avait amené Israël en déportation. Et la Bible dit que la sagesse de Daniel, ya Daniel surpassait celle de tous les mages, ya vani ba mage nyonso, des Chaldéens et de tous les sages de Babylone. Pe ya ba ndwenga nyonso Babylone. Parce qu'en Daniel se trouvait l'esprit des dieux saints. D'après la terminologie des Babyloniens. Na nzonzo ya bisi Babylone. Mais nous, chrétiens, nous dirons kasi besomik, betomik, que le Dieu Tout-Puissant avait placé son esprit en Daniel. C'est pourquoi Daniel surpassait tous les sages et les mages. Et à cette époque-là, ces mages se consultaient entre eux. Et les rois de l'époque les utilisaient dans leurs cours, au palais et dans leurs affaires pour mieux régner sur le territoire. Ils les utilisaient. Et donc Daniel était souvent consulté par le roi de Babylone. Et Daniel Babylone. Et comme il était constaté que son esprit surpassait celui des sages et des mages de l'époque, alors tout ce que Daniel disait était noté. Et tout ce que les pères éminents de ces mages avant eux disaient aussi autrefois était noté. Et ils avaient formé à partir de toutes ces annotations-là, mais ces notes qu'ils prenaient, ils avaient formé une Bible à eux. Et cette Bible s'appelait Zedakoa. Zedakoa. Comme vous l'entendez. Z-E-D-A-K-O-A-H à la fin. Zedakoa. Zedakoa. C'est donc cette Bible de ces astrologues, de ces astronomes de l'époque. Et bien à l'intérieur, il y avait les commentaires donnés par tous les mages d'autrefois, y compris certains commentaires donnés par Daniel. Et donc tous les mages nouveaux venus regardaient ce livre-là comme leur Bible à eux, ce que leurs anciens Père avait dit. Que signifiait telle étoile? Que signifiait telle constellation? Que signifiait ceci et cela? Ils consultaient ces choses. Il se trouve aussi que, comme à l'époque, Daniel était consulté et côtoyé par les mages qui étaient à Babylone. Parce que Daniel était dans la cour du roi. Alors les prophéties relatives à la parole de Dieu étaient connues. Et donc même la Bible qui utilisait les Hébreux,
Et bien, ces mages-là en connaissaient certaines parties. Et ils avaient certaines prophéties qu'ils attendaient aussi. Dont avait parlé Daniel. Daniel qu'il avait cité en prenant cela dans sa Bible à lui. La même que nous utilisons. Il y avait par exemple une prophétie tirée du livre des Nombres. Là, ça vous étonne maintenant. Vous commencez à trouver que ça devient un récit différent. C'est ça le message du temps de la fête. Il y avait par exemple une prophétie tirée du livre des Nombres. Là où il était écrit, voici, je le vois, mais non pas de près. Je le vois, mais de loin. Un astre sort de l'Orient. Excepté ses lèvres d'Israël. Cette prophétie se trouve dans le livre des Nombres. Daniel en avait parlé à l'époque. Daniel Zondra et les mages d'autres fois en avaient pris note. Et donc ils attendaient aussi la réalisation de cette prophétie. Alors, quand donc ces mages venus de l'Inde sont arrivés en Babylonie pour continuer leurs études en astronomie, ils ont été informés sur ce que les anciens mages avaient dit. Les anciens mages qui étaient déjà décédés, ils avaient été informés au sujet de ce que Daniel même avait dit. Alors, ils étaient donc dans l'attente de certaines prophéties. Un jour, pendant qu'ils étaient dans leur observatoire, là-haut sur la tour, et qu'ils regardaient les étoiles, ils étaient en train de lire la prophétie de Daniel, dit frère Branham, pendant qu'ils étaient dans l'attente, à propos des royaumes qui s'élevaient et qui tombaient. Et ils lisaient la prophétie de Daniel qui disait, je regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et frappe les pieds de la statue, la réduisit en miettes. Alors elle devait comme la balle dans une ère en été. Ce jour-là, c'est cette prophétie qu'il lisait. Et il se posait donc des questions. Quand est-ce que ceci arrivera? À quel moment verrons-nous tout le royaume vraiment tomber? Et que finalement le royaume des cieux venir, le royaume des dieux, et s'établir sur la terre. Il s'est posé ces questions-là. Quand est-ce que ce royaume des dieux viendra? Pendant qu'ils étaient en train de se poser ces questions, c'est alors que va apparaître dans leurs lunettes, dans leur observatoire, une étoile dont aucun mage n'avait jamais entendu parler. Aucun mage n'avait jamais vu une étoile particulière. C'était une étoile étrangère. Personne d'entre eux, ni à leur époque à eux, ni avant eux, n'avait vu cette étoile. Une étoile particulière. Elle brillait plus fort que toutes les autres étoiles. Et il n'avait jamais vu une étoile qui brillait avec une telle force. Cela attirait leur attention. Ils se sont bousculés. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il là-haut? Et l'une des choses qui avait attiré leur attention, c'est que cela a fait commencer par être trois étoiles très brillantes. Et ces trois étoiles de départ se sont rapprochées, rapprochées à une vitesse anormale. Jamais les étoiles ne s'étaient rapprochées aussi vite. Et jusqu'à devenir une seule étoile, plus brillante
fatigué toutes les étoiles. Les mâches ne comprenaient plus rien. Ils ont fouillé dans leurs livres. Jamais aucun mâche avant eux n'avait parlé d'une telle étoile. Jamais aucun mâche n'avait vu une telle étoile. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce qui arrive avec ce message. Quand vous l'entendez pour la première fois, vous vous dites: je n'ai jamais entendu ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça brille plus fort que tous les autres évangiles. Ils ont fouillé dans leur sénat. Il n'y avait rien. Ils ont fouillé partout. Rien. Alors ils se sont rappelés d'une petite note dans les Zedakoa où l'on citait Daniel parlant de la prophétie du livre des Nombres, un masque sortira d'Israël. Ils ont compris que ce doit être la naissance d'un roi. Parce que cette sorte de brillance n'est pas ordinaire, n'est pas habituelle. Cette étoile doit être en rapport avec un roi. Alors ils se sont dit: nous devons voir qui est ce roi. Nous devons le rencontrer. On doit voir ce roi face à face. Mais voulez-vous pas le voir face à face? Nous devons le voir face à face. Qui est donc ce roi-là? Nous voulons le connaître. Alors suivons cette étoile. Alléluia! Alléluia! Ils ont fait leur valise. C'est toi, mage. Pour voyager, suivre l'étoile en allant vers l'inconnu. Mon Dieu, il ne savait pas où est-ce qu'il fallait aller. Il fallait marcher, suivant l'étoile, mais sans savoir où est-ce qu'on allait. Allez simplement, allez seulement, sans arrêter, suivant seulement l'étoile, marchez seulement, sans arrêter. Suivons seulement l'étoile. Quand on va te dire: qu'est-ce que tu fais pour que tu aies restauration du tabernacle? Je suis l'étoile. Mais où est-ce que tu vas? Je ne sais pas. Je suis seulement l'étoile. L'étoile va t'amener où? Je ne sais pas. Je suis seulement l'étoile. Je suis l'étoile. Là où l'étoile s'arrêtera, je m'arrêterai. Mais tant qu'elle ne s'arrête pas, j'avance avec l'étoile. Tant que l'étoile ne s'arrête pas, je n'avance pas. Et je voudrais ici m'arrêter pour dire: beaucoup de gens vont dans les églises. Aujourd'hui c'est jour de culte. Beaucoup sont allés prier ça et là, mais ils ont suivi quoi? Pourquoi sont-ils partis ici ou là? Qu'est-ce qui les a attirés? Qu'est-ce qu'ils ont suivi? Mais toi, tu as suivi l'étoile. C'est l'étoile qui t'a amené ici. Tu as quitté ta maison. Tu as quitté ta dénomination. Tu as suivi l'étoile. Seulement, Kaka, quand cette étoile est apparue dans les cieux, ils étaient plusieurs mages dans l'observatoire. Ils ne furent pas nombreux à voir cette étoile. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui vit l'étoile. Ils dirent aux autres: regardez ce que nous voyons. Il regarde, il ne voit rien. De quoi parlez-vous? Mais là, dans quelle constellation? Il regarde, il ne voit rien. Ah, vous nous embrouillez. Non, ça y est, là, seulement là. Il regarde, il ne voit rien. Vous comprenez pourquoi? Beaucoup de nos parents, de nos amis regardent, mais ne voient rien.
Il regarde ce message, mais ne voit rien. Il regarde, il ne comprend rien. Parce que ce n'est pas pour eux. Toi, marche seulement. Vire. Sortir. Pour suivre cette étoile. Toi. Les autres restèrent à Babylone, dans l'observatoire, dans la dénomination. Seulement trois. Tout le monde ne peut pas suivre. Moi, je ne cherche pas tout le monde. Je cherche les élus. Tout le monde ne suivra pas. Le salut n'est pas pour tout le monde. Disons-nous la vérité. Le salut est une prédestination. Il faut qu'en toi il y ait une semence de Dieu. Sinon tu vas te fatiguer à aller à l'église ou à suivre l'étoile. Mais quand la semence de Dieu est en toi, rien ne t'arrêtera. Tu avanceras, tu marcheras, rien ne va t'arrêter. Parce que la semence de Dieu est en toi. Et frère Branham va nous dire ceci. J'aimerais enfoncer vraiment cela. Le salut est une prédestination, suivez. Dans la brochure Israël en Égypte, paragraphe 66 et 67, brochure Israël en Égypte, paragraphe 66 et 67, quelqu'un me dit: bien, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Je reprends. Quelqu'un me dit: bien, je sais que je suis sauvé parce que j'ai arrêté de fumer. Ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Ce n'est pas pour cela que j'ai été sauvé. Ce n'est pas pour cela que vous avez été sauvé. Vous êtes sauvé parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Être sauvé. Il continue. C'est l'enseignement de l'écriture. Amen. Amen. C'est lui qui dit amen. Maintenant, voyez-vous, nous commençons à découvrir que ce n'est pas nous. C'est lui. Voyez-vous, il nous a choisis. Vous entendez ça? Tu ne fumes plus. Tu ne bois plus. Tu ne cours plus après les femmes. Sœur, tu as laissé pousser tes cheveux. Tu portes de longues jupes. Ce n'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que Dieu t'a prédestiné à être sauvé avant la fondation du monde. Celui qui n'a pas été prédestiné n'est pas du tout sauvé. Et ne sera pas du tout sauvé. Posez-vous la question. Ce que vous voyez et que vous comprenez facilement. Pourquoi les autres ne le voient pas et ne le comprennent pas facilement? C'est la prédestination. Ce qui te réjouit. Pourquoi ça ne réjouit pas tout le monde qui est là dehors? C'est la prédestination. C'est ça qui nous sauve. Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Dans la même brochure, Israël en Égypte, le paragraphe 50 et 51, le prophète dit: maintenant, c'est une élection. Je voudrais insister sur cette élection parce que c'est la vérité. Maintenant, vous n'êtes pas devenu chrétien par simple coïncidence, car vous êtes devenu chrétien avant que vous soyez dans ce monde. Avant même que vous naissiez, Dieu vous a destiné à être un chrétien. Depuis le jardin d'Éden, depuis avant la fondation du monde. Oh, dites-vous. Vous dites: est-ce juste, frère? C'est la vérité. Dieu, avant même que vous sachiez quoi
que ce soit, il y a eu un temps où vous le saviez. Votre esprit est enténébré à ce sujet maintenant. En d'autres termes, quand vous étiez en Dieu, vous le saviez. Et depuis que vous êtes né ici-bas, cette façon de venir sur la terre, c'est ça qui a enténébré votre esprit. Donc vous ne comprenez plus rien. Et vous pensez que la vie actuelle sur la terre, c'est ça la vie. Votre esprit est enténébré à ce sujet maintenant. Il n'y a eu qu'un seul homme sur la terre qui savait qu'il existait auparavant. Et c'était Jésus. Il dit, glorifie-moi Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il était le Dieu incarné. Il pouvait regarder en arrière et voir ce qu'il en était. Mais nos esprits sont enténébrés à ce sujet. C'est par prédestination que nous sommes sauvés. Personne ne peut être sauvé si Dieu ne l'a pas prédestiné à être sauvé. Nous lisons un autre passage ici dans la Bible, dans Romains au chapitre 9 verset 10 et 13, verset 10 jusqu'à 13. Romains 9 verset 10 à 13, il est dit, écoutez ça à propos de Jacob et d'Ésaü. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, verset 12 maintenant, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaou. Les enfants ne sont pas connus. Mais Dieu déjà hait Esaou. Et aime Jacob. Alors qu'ils n'ont fait ni bien ni mal. Ils ne sont pas connus. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de la justice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas celui qui veut être sauvé, mais c'est Dieu qui sauve, qui il veut. Ce n'est pas celui qui court, mais c'est Dieu qui sauve qu'il veut sauver. Ainsi Dieu ne sauve pas tout le monde, mais il sauve ceux en qui il a placé sa sémence. Mais en fait, pourquoi êtes-vous ici ce soir? Vous êtes ici pas parce que vous n'avez rien à faire. Non, il y a beaucoup de choses que vous auriez pu faire. Il y a beaucoup d'endroits où vous auriez pu aller, mais vous avez laissé vos occupations. Vous êtes venu ici parce qu'il y a eu un appel dans votre cœur. Quelque chose vous a appelé. Mais pourquoi cette chose vous a-t-elle appelé? C'est à cause de la prédestination. L'heure passe. Dieu est en train de rassembler tous ses enfants. Il doit les préparer à le rencontrer. Et il les prépare par la parole de Dieu. C'est pourquoi il vous a amené à laisser vos occupations, à courir à l'église, parce qu'il est écrit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu que vous entendez, chaque fois que vous dites amen à cette parole, il y a des démons qui sortent de votre vie, il y a des esprits qui vous quittent, le péché tombe et la vie de Christ s'installe dans les gens. Voilà pourquoi il vous amène vers lui chaque fois
c'est par prédestination. Vous voyez, de même ici, que nous avons même vu une fois, il appela Abraham. Alors qu'Abraham était encore à Babylone, il appela à le servir. Ce n'est pas Abraham qui cherchait Dieu, mais c'est Dieu qui cherchait Abraham. Et Allah le trouvait là où il était, en Babylonie, dans le péché. Abraham était adorateur du dol. Il adorait le Dieu soleil avec son père Terak, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Vous voyez pourquoi certains d'entre nous ont commencé dans des choses insignifiantes, des choses parfois sataniques, mais Dieu, qui savait quelle était la semence qui était en eux, les a sortis de ces choses-là pour les amener à sa véritable lumière. Et ça se passe dans le cœur de l'homme. Parfois vous-même vous ne comprenez pas comment ça s'est fait, comment est-ce possible, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et je dois vous dire que personne ne peut arrêter cela. Quand Dieu a commencé son travail dans un cœur, personne ne peut arrêter cela. Aucune pression, aucune punition, aucun parent, aucun refus, aucune haine de quelqu'un ne peut vous empêcher de continuer à avancer avec ce message. Ce message est comme une drogue. Quand vous l'écoutez une fois, ça devient impossible de s'en séparer. C'est la vie de Dieu qui rentre en vous. Et je crois, mes amis, même si maintenant vous n'êtes pas encore totalement ce que Dieu veut que vous soyez, mais ce n'est pas d'inquiétude, parce que vous allez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Parce que déjà maintenant, vous-même vous le voyez, vos parents le voient, vos amis le voient, dans le quartier on le voit, vous n'êtes plus celui que vous étiez. Il y a quelque chose qui a changé. Et vous êtes en route vers l'adoption. Gloire à Dieu. Il a prédestiné. Il a appelé. Maintenant vous êtes là. N'ayez aucune crainte. Ce qui a été établi se fera. Est-ce que vous comprenez? Rien ne vous arrêtera. Vous allez arriver là où Dieu vous a prédestiné d'arriver. La prédestination, on ne peut pas l'arrêter. Adam, en Éden, après avoir commis son forfait, son péché, il se cachait loin de la face de l'Éternel. Il a fait des feuilles de figuier. Et Dieu est apparu cherchant Adam, parcourant tout le jardin et criant: Adam, où es-tu? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Enfin, soyons sérieux. C'est quoi cette histoire? Dieu, qui ne sait plus où se cache quelqu'un? Le Dieu qui connaît toutes choses. Comment? C'est quoi cette histoire? Comment Dieu ne savait pas où se cache Adam? Alors que même ce que nous faisons en secret, il le voit. Il savait où était Adam. Mais pourquoi a-t-il cherché Adam? Il a cherché Adam pour nous montrer son amour. Combien il est plein d'amour. Malgré nos péchés, nos iniquités et notre bassesse, il est venu jusqu'à nous, là où nous étions dans la boue, en train de te chercher. Où es-tu? Si quelqu'un te demande pourquoi on ne te voit plus dans la dénomination, réponds à cette personne-là: j'étais dans le jardin et j'ai entendu sa voix qui m'appelait. Où es-tu? J'ai répondu à cet appel. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait dans le jardin. J'ai répondu à cet appel. C'est pourquoi je ne viens plus dans la je ne veux plus la dénomination. C'est Dieu qui nous cherche. Et les mages, après avoir été choisis, appelés,
Dieu a manifesté un signe qui leur a permis d'être attirés. Et ils ont fait le voyage. Quelle était la distance? Ils ne le savaient pas. Quels étaient les obstacles en chemin? Ils ne le savaient pas. Mais ils ne s'en préoccupaient pas. Frère bien-aimé, quand Dieu touche un cœur et l'appelle à venir à lui, tout le reste ne compte plus. Tu n'auras plus d'amis, ce n'est pas grave. Tu n'auras plus de parents, ce n'est pas grave. Tu n'auras plus de travail, prenez ce que vous voulez. On ne peut plus arrêter cette âme-là. L'âme forte de l'avant. Même si tous ses amis fuient, j'ai quelqu'un qui est le meilleur de tous les amis. L'ami fidèle. Tous vos amis, le soir ils rentrent chez eux. Et vous restez seul. Mais cet ami fidèle est là. Le soir il va avec toi dans ta chambre. Tu ne restes jamais seul. Tous vos parents peuvent vous abandonner, ne serait-ce que par la mort. Mais ce parent ici, jamais ne peut t'abandonner. Il est le Père Céleste. Il commence le voyage avec toi maintenant. C'est jusque dans la gloire. Et ils ont fait le voyage. Ils sont partis. En chemin, ils regardaient l'étoile. Et l'étoile était leur chemin. Je répète, en chemin, ils regardaient l'étoile. Et l'étoile leur montrait le chemin. Et l'étoile était leur chemin. Je répète, ils regardaient l'étoile et ils avançaient. L'étoile leur montrait le chemin. L'étoile était leur chemin. La preuve. Il est arrivé à Jérusalem. Il ne voyait plus l'étoile. Ils sont rentrés dans Jérusalem en tâtonnant. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Il tâtonnait. Pourquoi l'étoile n'était plus là? Mais Jérusalem était une grande ville religieuse. Une grande dénomination. Qui avait mis du temps. Qui était reconnue. Même par l'État. Mais ils étaient là. Dans Jérusalem. En train de tâtonner. Où est le roi des Juifs? On ne voyait plus le roi des Juifs. Parce que c'est lui qui devait montrer le roi des Juifs. On ne le voyait plus. L'étoile avait disparu. L'étoile était leur chemin. Bon, dans la Bible, les étoiles représentent des prophètes. Regardez l'Apocalypse chapitre 1. Jésus était là, Apocalypse 1, verset 9 jusqu'à 20. Il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et la Bible dit que c'était les 7 messagers. Envoyant aux 7 âges de l'église. Il y avait une étoile pour le premier âge. Une étoile pour le deuxième âge. Une étoile pour le troisième. Et une étoile pour le septième et dernier âge. Il y avait une étoile pour Éphèse. C'était Paul. Il y avait une étoile pour Smyrne. C'était Irénée. Il y avait une étoile pour Pergame. C'était Martin. Il y avait une étoile pour Thyatire. C'était Colomba. Il y avait une étoile pour l'âge de Sardes. C'était Luther. Il y avait une étoile pour Philadelphie. C'était Wesley. Mais il y avait aussi une étoile pour l'âge de la Odyssée. Le dernier âge, c'est William Branham. Le messager prophète du temps de la fin. Il est l'étoile du temps de la fin. Et comme l'étoile était le chemin de marche, le message des prophètes du temps de la fin est le chemin qui nous mène vers la gloire. Le chemin qui est Jésus, vous ne le verrez jamais si vous ne suivez pas l'étoile que Jésus vous envoie. Malachie 4 est le chemin. Malachie 4 est l'étoile. Malachie 4 est l'étoile qui nous montre là où se trouve le Fils.
Et comme je disais, les mains sont sortis en suivant une étoile. Toi tu es sorti pour aller à la prière. Toi tu es sorti pour aller adorer. Tu as suivi quoi? Quelle est l'étoile que tu as suivi? Quel est le prophète que tu as suivi? Les gloires sont rendues à Dieu. Tes restaurations tabernacle a une étoile. C'est le messager du temps de la fin, William Branham. William Branham. Mais ils ont perdu le chemin qui menait vers le Fils. Quand ces mages ne voyaient plus l'étoile, et ils se sont perdus dans Jérusalem. Mes sœurs et mes frères, ne quittez jamais ce message. Si vous le quittez même d'un instant ou d'un iota, vous allez vous perdre dans Jérusalem. Vous ne verrez plus rien. Vous allez tâtonner dans l'obscurité. L'étoile n'a pas sa propre lumière. Vous n'avez pas remarqué que les étoiles ne brillent que la nuit? Mais la journée, les étoiles vont où? La journée, les étoiles sont toujours là, mais on ne les voit pas, parce que le soleil lui-même est présent. La nuit, le soleil est absent. Les étoiles et la lune prennent la lumière du soleil qui est quelque part et reflètent cela sur la terre. C'est ça leur rôle. Voilà pourquoi les étoiles sont les messagers du soleil. Le soleil, c'est Christ. Christ. Sont les messagers du soleil qui nous apportent la lumière du soleil, l'évangile surnaturel. La lune, c'est le type de l'église épouse. C'est elle qui, maintenant sur la terre, fait briller la lumière de Jésus. Comment? Il est écrit, vous êtes des épites vivantes, lues de tous les hommes. Voyez-vous? Suivez le messager. Ne quittez jamais ce message. Jamais. Je dis bien jamais. 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 Ce message, c'est la lumière de la vie. Je répète encore et je le dis très fort. Si vous priez, peu importe l'église, parce que vous voulez aller au ciel, croyez ce message. Autrement, vous ne verrez pas le ciel. Le ciel, ce n'est pas une histoire de camaraderie ou d'habitude. Je suis déjà habitué avec telle église. Non. Le ciel est une question de vérité. C'est fondamental. Je dis bien fondamental. Ce n'est pas les habitudes. Mais si je quitte l'église là, mais je suis déjà habitué avec un tel. C'est pas comme ça. C'est la parole, la lumière qui doit nous décider. Ne quittez jamais ce message. Et quand les mages ont retrouvé l'étoile, après qu'ils sont sortis de Jérusalem, ils ont revu l'étoile, ils ont retrouvé le chemin qui mène vers la gloire. Et l'étoile les a conduits directement dans la présence du Fils de Dieu. Fidélité. Un véritable prophète de Dieu est fidèle. Il ne vous conduira pas à lui-même. Il vous conduira au Fils de Dieu. Branham n'a jamais prêché sur lui-même. Il ne parle pas de lui. Branham nous a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Tout vrai messager envoyé par le Dieu du ciel fera cela. L'étoile les a conduits dans la présence du Fils. Et tout véritable serviteur de Dieu doit savoir qu'il n'a pas à s'installer dans les cœurs des gens. Mais c'est Jésus, la parole, qu'il faut installer dans les cœurs des gens. Nous n'avons rien. Tout nous vient de Jésus.
Et tout ce que nous devons faire, c'est lui que nous devons installer dans les cœurs des gens et dans l'église. Rien d'autre et personne d'autre. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin d'établir notre propre influence dans l'église ou sur les gens. On doit établir l'influence de la parole. Un pasteur n'est pas un chef religieux. Un pasteur n'est pas un gourou. Un pasteur n'est pas un maître. C'est un serviteur de Dieu. Et ce Dieu-là, donc, il est le serviteur, doit avoir la première place dans l'église, dans les cœurs et dans son enseignement. Et le pasteur ne travaille pas pour ses histoires à lui, ses intérêts. Toi, tu m'amènes un sac de ciment. C'est pas cela. Il ne travaille pas pour ça. Ça, c'est de la salade. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Amenons les gens directement dans la présence du Fils. Vous comprenez? Et désormais, qu'il soit connu d'ici et du monde entier que Restauration Tabernacle a choisi de suivre l'étoile. Restauration Tabernacle rien d'autre que l'étoile qui nous conduira fidèlement vers le Fils. Tout le monde dit amen? Est-ce que tout le monde dit amen à cela? Et quand l'étoile les a conduits dans la présence du Fils et qu'ils se sont retrouvés devant le Fils, seul avec le Fils, pas à l'extérieur mais dans une caverne, dans un endroit, une sorte de crèche à l'abri des regards extérieurs, ils sont entrés là. Ils ont quitté le dehors. Ils sont entrés. Alors là, en présence du Fils, ce qui était en eux devait sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu de l'or sortir. On a vu de l'encens sortir. Et on a vu la myrrhe sortir. Mais pendant qu'il quittait l'Inde, ou même la Babylonie, on n'avait jamais entendu parler de l'or, l'encens de la myrrhe. Ça s'est révélé quand ils se sont retrouvés en présence du Fils. Quand vous quittez l'extérieur, vous entrez en présence du Fils. Comment rentre-t-on en présence du Fils? C'est quand on rentre en Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est plus le dehors. Ils sont à l'intérieur. En ce moment-là, les dons qui sont en vous, vous êtes né avec prophétie, vision, parlant langue, chanter, ça sort. Pour maintenant servir la gloire du Père. Tous les dons, ça sort. Mais avez-vous remarqué, avant ça, les mages sont sortis de Babylone. Ensuite, ils ont traversé le désert. Enfin, ils sont rentrés dans la présence du Fils. Trois étapes. Sortir de Babylone. Traverser le désert. Entrer dans la crèche où se trouve le Fils. Trois étapes. Les femmes savent. Quand vous mettez au monde, il y a trois choses qui se produisent. Premièrement, il y a de l'eau qui sort. Ensuite sort le sang. Après, c'est l'enfant qui vient. Même à l'hôpital. Même vous-même, celles qui ont déjà besoin au monde. Dès que l'eau sort, la poche des os s'est déchirée. L'enfant va bientôt venir. Ça, c'est le premier signe. Quand on arrive au deuxième signe, le sang sort. Là, c'est terminé. L'enfant va sortir. Là, la femme va même accoucher dans la voiture. Avant d'arriver à l'hôpital. Parce que le sang vient de sortir. Donc l'eau, le sang et la vie. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit.
Sortir de Babylone, Babylone, traverser le désert, entrer dans la présence du Fils. Sortir de Babylone, c'est ce que Dieu a fait de vous. Il vous a sorti de votre dénomination et du monde. Il vous a mené à lui. Maintenant, il vous fait baptiser dans l'eau. C'est la justification. Après commence la longue période de la traversée du désert. Il doit vous tailler. C'est la sanctification. Il enlève les habitudes que vous avez acquises dans le monde. Si tu fumais, c'est en ce moment-là qu'il va enlever ça. Si tu buvais, il va enlever ça. Les histoires des femmes, il va enlever. Toutes ces choses sales, il enlève. Les vernis à ongles, ça tombe. Les fards, tout ça, ça tombe. Les rouges baisés là, ça tombe. Les rouges à lèvres. Une fille de Dieu n'en a pas besoin. Lorsque vous mourrez et qu'on étend votre corps là, les rouges là qu'on met là, ça va au ciel avec vous. Ça reste là. Vous embellissez le corps. Nous devons embellir plutôt notre âme. Donc c'est ça. Pendant la sanctification que Dieu enlève, toutes les sales choses, ceux qui avaient une main un peu trop longue, c'est-à-dire c'était une main trop longue, sa main a des, c'est pas des ressorts, il est ici, mais quand il fait ça, la main ça longue, il appuie sur un bouton, il revient. Dieu enlève les ressorts. Pour que ta main redevienne normale. Voilà ce que Dieu fait pendant cette période. Et quand la traversée du désert a atteint son comble, maintenant, rentrez en Christ. Dans la présence du Fils. Là, le Fils de Dieu, qui était né dans la crèche, doit naître dans votre cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. À partir de cet instant-là, personne ne peut te dire pourquoi tu n'étais pas à l'église. Personne ne peut te dire ça. C'est en toi. Quand tu essaies même de ne pas aller à l'église, mais tu es quelqu'un. Personne ne peut venir te dire, mes frères, n'abandonne pas l'assemblée. Le Dieu là te conduit. Partout où tu es. Le pasteur n'est pas, le diacre n'est pas. Tu veux injurier quelqu'un. Une voix parle. Ce que tu veux faire. Dans quel verset Jésus le faisait. Et tu es troublé. En fait, tu n'es plus tranquille. Tu as perdu ta paix. Quand tu fais de vivre la vie du monde, je répète, tu as perdu ta paix. Quand tu fais de vivre la vie du monde, mais tu as trouvé la vraie paix quand tu fais de suivre seulement Christ. De ne plus suivre le monde. Tu es tranquille. Et quand les mages ont vu le Fils, ils ont fini, ils sortent de là. Avant d'aller voir le Fils, le roi Hérode, je termine là, leur avait dit, allez-y, trouvez l'enfant et venez me voir pour me dire là où vous l'avez vu, afin que moi aussi j'aille l'adorer. C'était un piège. Ils voulaient tuer cet enfant-là. Les mages, eux, ne savaient pas. En tout cas, ils pensaient que Hérode était un bon frère. Et en plus, un ancien. C'était un gaillard. Un ancien. Il avait vu beaucoup de prophètes et de rois défiler. Un ancien. Donc pour eux, ah, comme c'est un ancien qui parle, ce doit être un bon frère. Je veux que Restauration Tabernacle sache, l'ancienneté de quelqu'un ne compte pas. Ne compte que le baptême du Saint-Esprit. Même si quelqu'un venait ici pour nous dire, moi je dormais avec Branham, j'ai mangé l'écureuil avec Branham, on lui dira vraiment merci beaucoup.
Que Dieu te bénisse pour ce que tu as mangé l'écureuil. Mais nous, nous n'avons pas besoin de toi. Nous allons suivre ce que le messager nous a dit. Et le messager ne nous avait jamais dit qu'après moi viendra celui qui mangeait l'écureuil avec moi. Il n'avait jamais dit ça. Reste avec tes écureuils ou tes histoires d'écureuils. Laisse-nous suivre le messager librement. Laisse-nous suivre l'étoile. Et laissez les histoires des anciens là. Nous, c'est un ancien. C'est un ancien. L'ancienneté ne veut rien dire. C'est la parole de Dieu qui compte. Si ce qu'il dit, la parole ne le dit pas, nous savons qu'il est un démon. Si ce qu'il fait, la parole ne le dit pas, nous savons qu'il est un mauvais esprit. Il est loin du diable. L'ancienneté ne veut rien dire. C'est la parole de Dieu qui compte. Et l'élu ne regarde qu'à la parole de Dieu. Ne faites pas attention aux frères Hérode. Ne faites pas attention aux frères Hérode. Hérode ne travaille que pour ses intérêts. Tout ce qui compte pour lui, c'est son gain. Qu'est-ce qu'il aura comme avantage, comme position, comme gain, comme argent? C'est ça le frère Hérode. Et on a beaucoup de frères Hérode dans le message. Mais à Restauration Tabernacle, nous ne voulons pas de frères Hérode. Nous voulons des frères mages. Mages. Des frères mages qui suivent l'étoile et suivant seulement l'étoile. Alors ils ont été divinement avertis par le Saint-Esprit de ne pas repartir vers Hérode. Oui, oui. Quelle que soit l'ancienneté de quelqu'un, l'ancienneté ne définit pas la semence de la personne. Ce n'est pas parce que tu es ancien dans le message que tu es un fils de Dieu prédestiné. Non! Moi je connais ma prédestination, mais toi je ne sais pas. Donc ne m'embrouille pas, ne me retiens pas. Je suis en route vers la gloire. Alors Dieu leur a dit, changez de chemin. Vous aussi mes frères, changez de chemin. N'écoutez pas les histoires qui se racontent ça et là. Changez de route. Et frère Madame dit, ils changèrent de route. Et le prophète ajoute, quiconque a rencontré Dieu face à face ne peut plus repartir par le même chemin. Il va changer de route comme les mages. Quelle était ta route hier? Cigarette, fumu, alcool, malafo, femme, keto, injure, bifingu, habit indécent, des habits transparents qui font voir tout. C'était ça ta route hier. Maintenant que tu croises Jésus, tu dois changer de route. Ces choses-là restent tombes pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nazalimo paya. Namo kile o boka naka ya seko e jale na lola mokolo mosusu nako zunga nuka nako kende naka ilola nami pesi. Je me donne à toi, Seigneur. Seigneur Jésus.
Salisi, mon salut, Eoudib, viens de toi. Tous mes yeux, écoute, ne regarde que toi. Jésus, mon sauveur, que chacun se remette à Dieu en prière. Oui, comment ça m'a dit que ça a été attaqué? Celui qui veut qu'on se souvienne de lui de la prière qui lève seulement sa main. Dieu notre Père céleste, ce soir dans ce lieu secret, tu nous as nourris de bouche à bouche. Tu as dit Père, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, nous avons écouté la parole. Maintenant, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, que cette parole que nous venons d'écouter produise en nous la foi. La foi, Père bien-aimé, qui va devoir nous positionner. La foi, Père bien-aimé, qui nous fera, oh Dieu, déplacer toutes les montagnes que nous allons croiser sur notre chemin. Père, chaque cœur était concerné. Dans chaque cœur, oh Dieu, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, a poussé un cri disant ceci est la vérité. Seigneur notre Dieu, je te prie que tu acceptes chaque âme, que tu acceptes chaque vie et que tu chasses en nous, Père bien-aimé, tout ce que Satan avait implanté, toutes les sémences de mort que Satan avait implanté en nous, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, dans ta présence, laisse-nous devenir de nouvelles créatures, que nous ne puissions plus repartir, oh Dieu, sur le chemin d'Hérode, mais que nous puissions être totalement transformés et translatés dans ta présence. Maintenant, Père, rentre avec chacun, que cette parole que nous avons reçue, que nous puissions la devenir au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas que Satan puisse arracher cela de nous, Père, mais que cela s'implante en nous, descende jusqu'au plus profond de nous. Bénis Restauration Tabernacle, bénis chaque frère, bénis chaque sœur de façon particulière. Et si jamais il y avait une autre requête dans chaque cœur, puisse cette requête être exaucée au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Et permets, Seigneur, que nous puissions encore revenir ici pour écouter encore la parole de la vie. Honneur, gloire te soit rendue. Merci pour le vase que tu as utilisé. Ton serviteur Francis, bénis-le davantage. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es l'étoile, sois notre chemin de retour. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen.
Oui, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Oh, 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 et que sur moi descendre la flamme du Saint-Lieu. Oui, accepte nos offrandes.